Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live sur la chaîne où on va couvrir un lancement dont on n'a pas l'habitude de couvrir, un vol un peu inhabituel, mais ça fait plaisir puisque ça fait 2 ans qu'on ne l'avait pas couvert sur la chaîne. C'est une mission de Virgin Galactic aujourd'hui, la deuxième mission commerciale pour l'entreprise, l'une des entreprises de Richard Branson, après la faillite de Virgin Orbit. Bien, Virgin Galactic essaye un peu de sauver les meubles et va aujourd'hui transporter de nombreuses personnes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je dis qu'on va parce que je suis pas tout seul pour vous couvrir ce live aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas affiché là au nid en description. Il s'est rajouté en invité de dernière minute, c'est Vincent. Salut Vincent. Salut, bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bah écoute, j'espère qu'en tout cas on t'entend bien. J'ai baissé la musique. On peut faire un petit test son, on a le temps avant le lancement. Est-ce que vous entendez bien notre cher Vincent, les amis? Dites-le nous dans le chat. Salut. Salut Ryzen, salut Flying, salut Jacqueline, salut Prof, salut Maxime, salut Eric, salut Brahim, salut Vega, salut Réflexion, salut Marco, salut Franck, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous passez une bonne fin de semaine. Le week-end approche. Courage à tous, sinon je pense que vous êtes en train de vous prélasser sur la plage. Vous avez bien de la chance pour ceux qui sont en vacances. Mais en tout cas aujourd'hui, on l'entend pas. Ok, il faut que tu augmentes peut-être ton petit gain, Vincent, si on veut t'entendre. Ou que tu rapproches simplement ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous êtes chaud pour cette mission. Cette petite mission Galactique 02 où je vais vous présenter l'équipage, le véhicule qui va voler, l'avion qui va transporter et larguer ce vaisseau. Et voilà, normalement, Virgin Galactic devait prendre l'antenne à 17h. Donc écoutez, on va peut-être pouvoir discuter un petit peu en attendant. Et puis après, on assistera aux hostilités que nous attend. Bonjour Jean-Pierre, salut Malia, salut Rodi, salut Santiago. Salut Nicolas, salut Jérôme, bienvenue à tous. Donc si voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, pas mal d'infos aussi arrivent via Naibot, n'hésitez pas aussi à les consulter, tout comme nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Discord, TikTok, LinkedIn. On a aussi 2 partenariats en cours, en description et aussi dans le Nightbot, donc Espace Stellaire et Ciel Espace, si vous êtes intéressé pour aussi soutenir la chaîne. Voilà, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à faire ça, si vous en avez les moyens, évidemment, on n'incite personne à le faire, mais c'est toujours cool, dans les deux côtés, en fait, il y a vraiment une contrepartie pour tout le monde, et à part ça, on est sur les starting blocks. Salut Frédéric, salut Alex, comment allez-vous les amis? Vincent est là, j'entends rien. Ah, bon, bah, apparemment, je pense que ça doit être réglé depuis. Et donc la dernière fois qu'on avait couvert ce vol, évidemment, j'étais déjà avec Vincent à l'époque. Je crois que je n'étais pas tout seul, je crois qu'on n'était pas que tous les deux, il me semble d'ailleurs. Mais c'était, je crois déjà, d'ailleurs la première mission de démonstration habitée qui avait fonctionné avec le patron lui-même qui était parti dans son vaisseau. Parce qu'on a vu Jeff Bezos qui est parti dans la New Shepard, Richard qui est parti dans son vaisseau. Et le seul qui n'a pas volé dans sa propre fusée, bah, c'est Elon qui s'est dit, malgré tout ce que j'ai, je ne prends aucun risque, je ne veux pas perdre la vie dans un vol. Et pourtant, SpaceX, on sait qu'ils sont sûrs maintenant. Bon, Starship, à voir. Mais pour le reste, SpaceX a prouvé sa fiabilité depuis un bon moment déjà. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite à tous d'être fiables. Mais on a vu par le passé que Blue Origin, par exemple, s'était planté, s'était trompé, notamment l'an dernier, et qui n'a toujours pas rejailli dans le paysage aérospatial. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que du coup Virgin Galactic, ils se sont, eh bien, ils ont vu la brèche s'ouvrir, ils se sont infiltrés dedans, ils n'ont pas attendu, et là ils enchaînent parce que c'est leur deuxième vol en un mois. Il y a eu Galactic 01 il y a un mois de cela pour le compte de l'armée de l'air italienne, qui a aussi effectué des expériences dans l'eau. Donc ça, c'était vachement intéressant, alors qu'aujourd'hui on va être plutôt sur un vol vraiment axé tourisme spatial. Donc, qui évidemment se démocratise et va tendre à se démocratiser encore plus. Mais c'est toujours sympa, ça change des vols conventionnels qu'on a l'habitude de vous couvrir ici. De quel pays ça décolle? Alors, ça va décoller des États-Unis. Ça va décoller des États-Unis depuis le Nouveau-Mexique. Bonjour Florian. Salut Michel Mike. En même temps, Dragon ne fait pas de vol balistique. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais elle en a fait pour des tests. Je pense qu'on t'entend mieux. N'hésitez pas dans le chat à nous le faire savoir.
bonjour, qu'en penses-tu du sous-marin Titan? Ton avis m'intéresse, étant donné que tu es un passionné de l'aéro. Alors, c'est un peu différent parce que. Enfin, c'est différent. Dans les deux cas, on va dans des environnements extrêmes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va se rendre dans l'espace, enfin, quasi-espace, parce que c'est l'espace selon les Américains. C'est-à-dire qu'on se rend à 80 km d'altitude. Or, l'espace se situe à 100 km d'altitude. Si on se réfère à, eh bien, la Fédération internationale de l'astronautique, la ligne de Kármán, elle se situe à 100 km d'altitude et pas à 80 en dessous. C'est les États-Unis qui ont fait leur propre loi, en fait, leur propre juridiction en la matière, leur propre législation en la matière. Mais dans les deux cas, on se rend dans des environnements extrêmes. Le Titan, bah, c'est tragique, malheureusement, ce qui leur est arrivé, mais sachez que quand vous signez un contrat comme cela pour le Titan, il est clairement indiqué qu'il y a des risques de mort. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le spatial, je pense qu'il doit y avoir des clauses un peu similaires, je pense, si on va dans les petits papiers. Et ça, c'est une question qui aurait été intéressante à poser, notamment aux astronautes qu'on a interviewés. Donc voilà, je la coche quelque part, je la mets quelque part. Mais je pense qu'il doit certainement y avoir du parallèle entre les deux. Donc c'est malheureux, mais c'est les risques qu'ils encourent, malheureusement. Et c'est comme ça. Voilà, j'ai envie de vous dire, quand on prend un billet aussi cher pour se rendre dans l'espace ou sous l'eau, dans des profondeurs très très très... Voilà, qui sont quand même assez extrêmes par rapport à notre bonne vieille terre, à notre plancher des vaches, je dirais même. Bien, on encourt des risques et donc tout ça, bah, ça a un prix. Salut Christopher, ça va très bien et toi? Le booster d'électrons est-il réutilisé pour son prochain vol? Oui, Space. Oui, maintenant en fait, il n'utilise plus ce dernier comme. Il ne le récupère plus via un parachute, via un hélicoptère. Il y a toujours un parachute, mais il vient se poser directement dans l'eau, il amerrit, il le récupère via un navire, ils inspectent les moteurs, ils testent, ils qualifient, ils revolent. Voilà, ils se prennent plus la tête à utiliser un hélicoptère, ils ont vu par le passé que c'était trop compliqué comme méthode à employer, et donc ils utilisent ceci. Voilà, désormais, ils ne se prennent plus trop la tête chez Rocket Lab. Salut Redstone! Blue Origin, ils reviendront ou ils ont arrêté complètement? Ils reviendront, mais ils devaient revenir à partir d'avril. On avait un document de la FCC qui attestait cela. Mais bon, entre les papiers et les faits d'une entreprise, il y a toujours une différence. Salut André! Combien de temps les Starlink mettent pour atteindre leur orbite après le lancement? Très bonne question. Pas longtemps après. Pas longtemps après, ils sont déployés un peu moins d'une heure après. Hein. Et après, ils rejoignent leur orbite au fur et à mesure. Hein. On n'a pas le temps exact parce que ça dépend à chaque fois d'où vous partez, où est-ce que vous envoyez vos Starlink, que ce soit en orbite polaire, vraiment très inclinée vers le sud ou vers l'est, ça va dépendre à chaque fois de l'orientation. Dans le cas du Titan, le véhicule aurait dû être certifié par une autorité comme pour le spatial. Salut Rosa, je vous suis à la Catalogne Nord. Et bah écoute, bienvenido. C'est pour rien qu'on connaît mieux la banlieue terrestre que les grands fonds marins. C'est pas pour rien, effectivement. Salut chat, ça fait longtemps! La Belgique te salue, salut Shabada, et bah bien bonjour à la Belgique. Bonjour à vous, nos amis belges. Alors, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est un peu partir en mode présentation, vous voyez, de ce qu'on va avoir aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut aussi dire ce qui va se passer. C'est quand même plus intéressant. T'as écrit clan. Je vais prendre ma petite deuxième infographie du jour, qui vient de notre cher Iclan, hein, vous connaissez par cœur maintenant. Hop, je vais plutôt faire comme ça. Je vais voir si ça. J'espère que ça marche. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Je vais d'ailleurs rajouter Vincent là-haut parce que dis donc, le pauvre, il va se sentir esseulé. Hop, tac. Hop là. Tac. Ok, donc du coup, vous avez ici une petite présentation, enfin, une petite su su présentation succincte hein, de l'équipage d'aujourd'hui. Donc, on a ici à gauche, vous avez le commandant qui va bah, commander le vol hein, aujourd'hui. Donc, qui est. Alors, j'avais exactement son nom quelque part, je vous le retrouve tout de suite. Sachez qu'il a œuvré également à la NASA, cet homme. Donc, il n'en est pas du tout, mais du tout à son coup d'essai. C'est son huitième vol aujourd'hui, dites-vous. Huitième vol, c'est quand même assez impressionnant. Il faut se le dire, il faut se le dire. Il s'agit ici de Frédéric Sturckow, donc qui a 62 ans, si je ne me trompe pas. On a en tant que pilote Kelly Latimer qui effectue elle son premier vol. Alors, pilote, premier vol, elle a, je pense, pas mal la pression aujourd'hui.
On va voir si elle sait manier le manche, comme on dit, si elle sait se débrouiller en la matière. C'est quand même des experts, hein, il faut le dire. Ce qui est, ils prennent pas n'importe qui. On voit qu'elle doit avoir quand même pas mal de coffres, pas mal de bouteilles, on peut dire aussi, derrière elle. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Tous deux américains, l'équipage, donc les pilotes flying, hein, l'équipage de vol. Et ensuite, on retrouve donc l'équipage qui se trouve en cabine. Donc, l'équipage de vol, il est au niveau de l'avion. Donc, le VMS Eve qui va partir tout à l'heure et qui va transporter la navette juste en dessous, puis la larguer à une certaine altitude. Hein. On va voir tout ça en direct. On va avoir une petite télémétrie et tout. Normalement, tout sera bien ficelé pour notre plus grand plaisir. Ici, on retrouve donc le cabin crew, donc l'équipage dans la navette directement, dans le Spaceship 2. À gauche, on a Beth Moises, donc elle est américaine, elle effectue aujourd'hui son quatrième vol. À droite, on a John Goodwin, qui est le premier touriste, donc qui est britannique. En bas, on retrouve Keisha Chalaf et Anastasia Myers, donc deux dames de Antiguada et de Barbade, donc qui sont au niveau des îles caribéennes. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Donc des Caraïbes. Donc il me semble que c'est une première hein, en matière de nationalité pour eux de transporter, d'accueillir dans le vaisseau. On a eu des Italiens, on a eu pas mal de Britanniques, pas mal d'Américains, mais là ça change un peu, ça donne du sang neuf. Et on a aussi le premier Olympien parce que John Goodwin a gagné une épreuve des Jeux Olympiques, si je ne me trompe pas, en 1972. Donc ça remonte, hein, ça remonte. Mais voilà, il tenait à le souligner, c'est le premier Olympien qu'ils embarquent avec eux, ça change. On a un sportif, ça change de un peu de ce qu'on a vu avant. On a vu beaucoup d'explorateurs, notamment chez Blue Origin ou d'autres, ou chez Virgin Galactic. Mais là, on a des sportifs, on a des gens un peu plus lambda aussi, des athlètes, donc ça change. La destination aujourd'hui, donc c'est un vol suborbital, comme disait tout à l'heure hein, notre cher Flying, c'est un vol balistique, mais suborbital, évidemment, puisqu'on va juste faire une petite parabole et on revient, on va pas faire un arc d'orbite terrestre total autour de notre planète. Là, on va partir et rechuter directement, hein, puisqu'on aura donné une seule impulsion, mais qui ne nous permettra pas de nous placer en orbite et de chuter pendant un temps indéfini jusqu'à ce que quelque chose nous fasse retomber sur Terre. Donc, entre 80 et 100 km, vous avez en arrière-plan ici le VMS-F, donc l'avion justement à deux fuselages, à deux cockpits. Un peu à la manière de Stratolaunch, mais beaucoup moins grand et aussi surtout opérable, hein, il est opérationnel alors que Stratolaunch c'est pour l'instant que des vols d'essai avec des transports de charges factices, notamment Talon A. Ici on transporte la navette donc de Virgin Galactic, le vaisseau Spaceship 2, voilà, qui a une grande tuyère derrière hein, qu'on n'aperçoit pas ici mais que j'espère on apercevra juste après, on va l'apercevoir de toute manière, ça c'est une évidence. On part aujourd'hui donc du port spatial américain du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Donc on part précisément d'ici hein, sur la carte. Hein, vous voyez, vous avez un petit point rouge ici. Donc au niveau du... Je pense que normalement, ouais, on va être au petit matin en plus là-bas. On risque d'avoir des images assez intéressantes. Je pense que ça risque de valoir le détour. Le moteur utilisé ici par notre vaisseau, enfin par leur vaisseau, parce que on aimerait bien que ce soit le nôtre. C'est le moteur numéro 2 qui s'appelle, ils se sont pas trop embêtés. Il utilise du HTPB et du NDOK, donc je pense que c'est du peroxyde d'azote. Et le HTPB, je crois que c'est du propergol solide, si je ne me trompe pas. Ça doit être du perchlorate d'ammonium, mais à vérifier. Et au niveau de la puissance délivrée, on est sur du 310 kN. C'est bien, bien moins que les fusées conventionnelles hein, qu'on a l'habitude de vous couvrir. Et donc la plateforme de lancement, c'est VMS-EV, donc aussi nommé le White Knight 2. Et cet avion mesure 24 mètres de long pour 43 mètres d'envergure. Et il a un plafond d'altitude à 18 000 mètres. Donc il peut aller bien bien haut quand même. Hein. Il va limite, je crois, plus haut que des avions conventionnels. Donc c'est quand même très très intéressant. Et ici on a une autre infographie, c'est aussi qui ne vient pas de Space Intelligence mais de Reclan. Et donc normalement on devait avoir un décollage à 16h mais on attend toujours le stream. Et c'est la 25e mission quand même aujourd'hui de Virgin Galactic, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi le 12e vol eh bien, du VSS Unity. Donc il a volé sur PF01, 02, 03, 04, VF01, VF02, VF03, Unity 21, 22, 23. Et aujourd'hui sur Galactic 02, il a certainement dû voler aussi sur Galactic 01, hein, c'est très très probable d'ailleurs.
Et voilà, et à droite, vous retrouvez toute la, et bah, tout l'équipage. Donc, ils sont 6 aujourd'hui. 3 Américains, 1 Britannique, 2 personnes des Caraïbes. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce vol. Quels sont les objectifs sur la chaîne pour la rentrée? Alors, pour la rentrée, bah, c'est de toujours couvrir le plus de choses, même si c'est difficile. On travaille aussi sur des projets à côté hein, qui sont longs à mettre en place. Ne vous inquiétez pas, vous allez être gâtés. Je peux pas en dire plus, je peux pas en dire plus parce que voilà, je suis tout en haut, mais je ne suis pas l'initiative de ce projet. D'autres personnes travaillent aussi là-dessus. Mais celles qui, si elles sont dans le chat, elles se reconnaîtront et elles diront « Non, tu ne dis rien, tu te tais aujourd'hui ou à jamais. » Non mais voilà, aujourd'hui, pour l'instant, je peux pas vous en parler, mais il y a des choses qui se préparent. J'ai un problème dans l'Europe. Eh ben dis donc, t'as fait un sacré tour. Salut Jacques, salut Alain. Moi, je retourne faire mes fusées sur Juno New Origin. C'est bah, t'as bien raison. Mais laisse le live quand même à côté, c'est important. Il faut que Lucas pilote. Ouais, mais Lucas, pour l'instant, il est encore en deuxième. Il va rentrer en deuxième année, là. Et il a fait un vol IFR, d'ailleurs, ces derniers temps. Salut Jacqueline. Pas trop de bouteilles quand même, il s'agit de piloter Somme. Oui, effectivement. Tiens, Bronson ne veut plus se faire envoyer en l'air. Non, parce qu'il l'a fait une fois, il a fait son petit coup de com, hein, à la manière de Jeff Bezos, et ça suffit. Ça doit être le premier vaisseau spatial avec un manche depuis la navette n'empêche. Oui, tu as sûrement raison. C'est une bonne remarque. Bonjour Alex, bonjour la team Vulga, bonjour le chat, salut Hervé. Bonjour, ce voyage coûte combien? Aux alentours des 200 000 dollars, je dirais. Ben, je peux vous dire précisément parce que je dois avoir l'information quelque part. Je dois avoir l'information. Tac. Eh ben non, je l'ai pas. C'est magnifique. Si Vincent, tu peux regarder ça. Ça me m'arrange. Le coût du voyage. Aujourd'hui, on est souvent sur du 200-250 000 dollars le billet d'entrée, mais sur le cost, quoi, le coût du petit vol. Thomas Pesquet ne doit pas être fan de ce genre de prestations. Oh, je pense que ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Sachez que lui, il pilote d'ailleurs l'Airbus A300 0G, 310 0G. Donc je pense que lui, ça lui déplairait pas, mais... Évidemment, il y a beaucoup de risques. Il y a eu des morts hein, par le passé sur ce genre de vaisseau. Il faut pas l'oublier, malheureusement. Aux prémices de ce projet au tout début. Salut Jim Lovell. Antigua et Barbuda. Le coût d'un billet, dans ce que je peux voir, source TF1, en l'occurrence, 450 000 dollars, dont 150 000 d'acompte. Ah, donc c'est plus cher que Blue Origin, ça veut dire. Et c'était valable pour leur premier vol. Après, le vol de maintenant, je sais pas. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est les premiers résultats qui arrivent quand on cherche. Quand on cherche l'information, ouais. Les îles Antigua et Barbade sont situées sur des petites Antilles entre la Guadeloupe au sud et Saint-Kitts et Nevis et Saint-Martin, Saint-Barthélemy à l'ouest. C'est une fusée de poche, on peut dire ça. C'est un avion spatial de poche. Mais pas un SSTO, malheureusement. C'est autant que le X-15 de North American soit 313 kN. 313 kN, effectivement. Toutes les fusées sont des pétards volants, sauf Terran, qui est une gazinière. Des nouvelles de Lucas et Lauriane. Bah, Lucas est toujours sur son projet au Canada, et Lauriane, je pense qu'elle est en vacances, je ne sais pas. Mais le Galactique, tu l'allumes en l'air, que les fusées, tu as besoin de flotte pour ne pas voler avec. Effectivement, après tu as des ergols chimiques, ergols liquides, ergols solides, t'as de tout. Bonjour Jean-Michel. Salut Jean-Luc. Le VSS Unity utilise un moteur hybride, donc à la fois avec un ergol liquide, le peroxyde d'azote, et un ergol solide, le PHT, on est un des composants, voilà. Donc j'avais raison sur ça. Bonjour Nicolas. Bah, salut Jim. Plus fort le son, Pat. Pour qui tu veux dire? Bonjour tout le monde, ce type de vol est-il rentable pour Virgin Galactic? Bah s'il continue, c'est que ça a l'air d'être rentable. Après, pour l'instant, il profite, comme je disais tout à l'heure, de l'absence aussi de notre cher de Blue Origin pour attirer des clients. Parce que pour l'instant, la New Shepard, elle a été clouée au sol jusqu'en avril, mais on n'a pas de nouvelles plus que ça. Parce que c'est eux, hein, les concurrents directs sur ce marché. Connais-tu le temps de préparation pour les passagers? Ont-ils subi des tests physiques? Ça, je pense qu'ils vont peut-être nous le montrer. Normalement, ils sont quand même obligés de subir des tests, hein, parce qu'il y a quand même une accélération forte qui est subie lors de l'allumage, et aussi une décélération forte qui est subie lors de la coupure du moteur, plus aussi la petite rentrée, parce que c'est pas une grosse rentrée, mais quand même.
Il y a quand même des tests à passer, je pense. Ils vont emmener Rihanna. Bah non, dommage, 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 dommage. Salut, Mickaël. Vincent, on l'entend pas assez. Ok, bon bah il fera encore en sorte de de répondre à votre besoin. Le souci, c'est que tout est à fond chez moi, donc ça va être un peu compliqué là. Ouais, ou alors je me réduis moi dans ce cas-là. Pour moi, le Galaxy, c'est comme la cyber poubelle Tesla. Tu vois une fois, puis tu attends qu'elle remonte son nez. Notre joke, j'adore le design du VSS Unity. Non, mais il est incroyable. Du retard annoncé, j'ai l'impression. J'ai l'impression. On va aller voir le Twitter après de Virgin. La COP21 doit dresser de sacrés PV à Virgin avec leurs jouets. Je pense pas. Je pense que Krita est au niveau 15 là. Il y a eu des morts en atterrissant sur Virgin Galactic. Il y a des. Alors il y a eu par le passé. Hein. Mais j'ai pas compris toute ta question, Jean-Luc. Alors qu'est-ce que ça raconte sur Twitter? On va aller voir ce qu'ils nous disent, nos chers amis. Ils sont dans les temps pour décoller. La diffusion commencera après le décollage, juste avant la sortie du vaisseau spatial. 11h heure de l'Est. Ouais, donc je pense qu'on est un peu en avance. On va aller sur le site de la firme. Watch. Alors non, c'est pas ça que je veux voir. Voilà, j'ai que des créneaux, que des fuseaux horaires que je connais pas en plus, donc c'est vraiment embêtant. Attendez. Dans 40 minutes, on aura un flux, je pense, les amis. Je le vois comme ça. J'ai calculé. Bon, on va prendre notre mal en patience, puis on va discuter ensemble. Tu dis au début, Virginie, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts, Jean-Luc. Y aura-t-il des caméras baquées comme le font SpaceX? Oui, il y en a eu par le passé chez eux, donc normalement ça devrait... Bon, on peut peut-être se mater le dernier vol, hein. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Hein. Tac. Comme ça, on va rattraper un peu notre retard aussi. Bon, le seul moyen que je vais avoir, ça va être de parler plus fort. Et près du micro. Bon, là, il devrait t'entendre quand même. Ouais. Ça va aller. Alors, Virgin Galactic. Le dernier vol remonte à il y a un mois, effectivement. Et ils ont même enlevé leur live d'avant. C'est bizarre, ça, par contre. Ah, parce que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vol qu'on avait couvert il y a 2 ans avait cloué au sol l'entreprise pendant un bon moment parce qu'ils avaient, rappelez-vous, dépassé le couloir imposé par l'AFA. Et c'est ça qui avait fait prendre beaucoup de retard aux ambitions de l'entreprise. Mais bon, ils l'ont enlevé quand même de leur chaîne. Ça a été un peu radical, quand même, je trouve. Hop là, donc là, on va se faire le dernier vol en date, hein, vous savez quoi. Hop là. Alors, est-ce qu'on a ici... Là, vous avez une belle petite maquette, là, que j'aimerais bien prendre, là. Hop, tac. Je vais aussi faire ceci. Et là, on va être bien. Donc ça, c'est le tout dernier vol qui remonte au... À quand? Qui remonte au 29 juin dernier. Donc on est à peine plus d'un mois après. Franchement, ils ont vraiment géré. Et là, vous la voyez. Donc là, c'est lorsqu'elle est encore en vol. Lorsque le White Knight 2, donc l'avion au-dessus, le VMS Eve aujourd'hui, va... Enfin, le transport puis le largue, hein, une certaine altitude. Donc là, tout va bien, c'est stationnaire, mais au moment où on va allumer, c'est là que ça va devenir intéressant. On t'entend, Vincent, mais ça fait une sacrée diff avec Alex. Ouais, bah je vais, moi, baisser mon son, vous savez quoi. Voilà, j'ai baissé un peu mon son. Et donc à droite, vous avez
Eh bien, à quoi ressemble la cabine, hein? Je parle bien sûr tout à droite de votre écran. Là, on ne peut pas faire plus à droite. Et ce vaisseau bah, dispose de plein de hublots. C'est assez sympa. Alors, c'est dommage qu'ils aient pas fait toute une verrière complète. Bon, là, ça aurait coûté beaucoup d'argent. Mais déjà, les passagers ont une sacrée vue sur notre planète. Il y a un lancement de vol habité, vraiment. Oui, là, il va y avoir un vol habité. Enfin, il va y avoir un vol habité aujourd'hui, là, Alexandre. Non, il existe qu'un seul même avion, Virgin Galactique. Oui. Oui. Salut Olivier. Donc là, vous les voyez en apesanteur une fois qu'on a coupé le moteur. Ce que ça donne. Donc ça, je crois que c'était d'ailleurs le premier vol de démonstration habitée qu'on avait couvert il y a 2 ans. Ou alors je me trompe peut-être. C'est peut-être un vol qui a eu lieu entre deux, en tête intermédiaire entre les deux. Tu as des nouvelles de Astra Rocket? Bah ça va pas fort Astra Rocket. La Rocket 4 va être clouée au sol pour l'instant parce que en fait Astra ils font pas que du, ils n'offrent pas que des que du transport spatial. Enfin ils ne délivrent pas que des prestations de transport spatial de charge utile, mais ils produisent aussi des petits moteurs et d'autres pièces pour l'industrie. Et en fait ils vont, bah, leur santé financière les empêche de pouvoir tout faire. Et donc ils mettent pour l'instant de côté la Rocket 4. C'est la fusée qui doit remplacer la Rocket 3.3, celle qui avait fait du moonwalk, souvenez-vous, et qui avait connu beaucoup, pas mal, enfin, oui, on peut dire beaucoup d'échecs malheureusement. C'est l'équipe, désolé du retard, tu n'as rien raté, Mikotuk. Pour rappel, le live a débuté. Alors je vais d'ailleurs mettre mon. Je pense que. On va même updater un truc là. Voilà, c'est 17h. Lors du lancement, donc je vais vous la mettre à jour là-haut. Donc ne prenez pas en compte 16h, hein, c'était before. Voilà. 17h pour le lancement d'aujourd'hui. Donc vous êtes à l'heure, vous inquiétez pas les amis, tout se passe bien. Et ça va permettre de bien discuter ensemble, ça c'est cool. Alors, je vais prendre ça. Là, vous voyez la belle traînée d'ailleurs derrière l'avion. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On voit donc à droite, vous avez l'altitude en pieds, la vitesse en miles par heure, la vitesse et en dessous, vous avez aussi la vitesse en Mach. Donc, vitesse du son fois le chiffre en dessous. Et à gauche, vous avez, je crois qu'il y avait le nombre de temps qui s'était écoulé depuis le début de la mission, depuis le décollage de l'avion, tout simplement. Et on a une fenêtre de tir également, alors je voulais pas préciser, mais qui se fenêtre de décollage qui se s'étend jusqu'à minuit aux dernières nouvelles. Alors je vais peut-être aussi updater ça parce que j'en suis pas totalement sûr, mais c'est ce que j'ai vu en tout cas en préparant ce live. C'est ça, ça s'étend jusqu'à minuit. Donc une fenêtre de 16h à minuit, ils ont déjà grappillé 1 heure de la fenêtre, malgré tout. Ça passe vite. À l'allumage du moteur, on connaît la quantité de G absorbée par les passagers. Pas du tout. Pas du tout, je pense qu'on est sur de l'ordre de 3 à 4G. Et ça, peut-être qu'ils vont nous l'afficher aujourd'hui. Alors là, on voit le tout dernier vol. Bah, c'est justement le vol Galactic 01. On voit que ça rigolait pas du tout dans la cabine, hein, avec l'armée de l'air italienne. Je crois qu'il devait y avoir des. J'ai l'impression qu'il y avait un banc d'expérience derrière. Il faut que je regarde ce qu'il y avait eu, ce qu'il y avait eu à cette époque. Là, je peux vous dire que dans le vaisseau. Voilà, donc là on a tout le profil de vol d'ailleurs, super intéressant. On va faire une petite pause. Donc on a le décollage au début, ascension, lâcher. Donc le wheelie, c'est quand on lâche le vaisseau, quand on le largue. Ensuite on allume le moteur. Et on coupe. Ce dernier, donc on va rentrer dans une phase de micro-pesanteur. Mais le vaisseau, lui, va continuer de monter en altitude, puisqu'il y a une inertie quand même très importante apportée lors de l'allumage, qui fait qu'il va élever son apogée, donc le point le plus haut de son arc d'orbite terrestre, de son orbite, de sa petite, toute petite orbite, puisque ça va le faire retomber de son vol suborbital. Et il va se retrouver ensuite sur le dos, on peut dire ça. Donc vraiment, les passagers ont les yeux rivés sur la Terre juste en dessous d'eux. Et le vaisseau va ensuite repiquer
puisqu'il n'aura plus d'accélération, il va retomber naturellement, ce qui est très logique. Une petite rentrée atmosphérique, et on retombe, et on atterrit. Voilà, le profil. Il y a eu combien de vols de ce type déjà, s'il te plaît? Il y en a eu, il y en a eu plusieurs, il y en a eu quand même pas mal. Je peux tous les citer, je suis sur ma petite base, mais... on en a eu... Là, j'en vois déjà 6, 8, 11, 14, je crois qu'on en a eu 15, si je compte bien. 4, 7, 9, 12, 15. Donc, on est déjà sur le 16e vol aujourd'hui, quand même, de l'entreprise. Qui a débuté en 2013 avec PF01. Voilà. Et il y avait eu un échec en 2014 qui a tué notamment donc, le copilote Michael Alsbury et le pilote Peter Siebold, malheureusement. Donc ça a été un échec en 2014 et on a eu un semi-échec aussi en 2020. Parce que l'avion avait été coupé une seconde avant... Enfin le moteur avait été coupé une seconde avant son allumage, donc il y avait eu un problème d'ordinateur de bord. Donc mauvais allumage du space plane, du vaisseau. Et du coup, depuis le 22 mai 2021, on n'a plus connu de problème. Et nous, à l'époque, on avait couvert Unity 22. Donc la mission du 11 juillet 2021, donc déjà il y a plus de 2 ans. Et c'est celle-ci qui avait transporté Richard Branson à l'époque. On voit pas. Si vous voyez normalement à droite, ils sont en même attitude que Félix Baumgartner. Ils sont bien plus haut. Parce que Félix Baumgartner, il me semble, il a été parti à 30 km, 40 km d'altitude. Là, on va à 4, entre 80 et 100. Release, c'est 17h du coup. Très logiquement, c'est ça. Ou décollage. C'est ça qui est compliqué quand vous faites un vol comme ça, quand c'était Virgin Orbit ou Virgin Galactic, c'est savoir si c'est en fait c'est l'avion qui décolle ou c'est ce qui est transporté qui décolle. L'apogée est à combien de kilomètres normalement entre 80 et 100. Mais là on va peut-être on va pouvoir voir d'ailleurs sur le vol précédent parce que ça va être le même profil. Ah t'avais pensé combien? Salut à tous, c'est moi où l'image présentée dans le cadre de droite est légèrement tronquée sur les quatre côtés. Ça gâche pas le plaisir de suivre ton live, mais certaines infos sont masquées du coup. Oui, effectivement, ça masque, mais bon. Le truc, c'est que... Mais de toute façon, je vous donne les infos. Je vais vous donner les infos, vous inquiétez pas. Bonjour, pourquoi met-il un patin à l'avant plus qu'une roue pour l'atterrissage? Pour freiner davantage. C'est ce qu'on met d'ailleurs aussi sur la Dream Chaser de Sierra Space. Qui volera, on l'espère, l'an prochain. Salut Didier. Donc là, vous avez vu, il y a l'allumage hein, qui est intervenu. Et là, on est déjà à près de Mach 2. Et on va voir jusqu'à combien on monte. Donc là, on est déjà à 2400 km/h. Donc ça, c'est ce qui va nous attendre tout à l'heure. Pas de soucis, Ibrahim. Pas de soucis. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Le vol est dans 30 minutes. Et combien de temps dure le vol du décollage jusqu'à l'atterrissage? Eh bien, en fait, là, en fait, maintenant, il ne montre plus le décollage de l'avion. Mais je vais vous redire ça après. On va aller voir la mission qu'on a couverte il y a 2 ans. Comment ça s'était déroulé. Donc là, on est monté jusqu'à Mach 2.5. J'ai l'impression même plus. Hein. Mach 2, 80... Que je surveille, j'ai pas surveillé la vitesse. Mach 2,80. Donc ce qui équivaut à près de. À un peu plus de 3000 km/h. Entre 3000 et 3600. Tu as le code du Galactic pour Flight Radar ou pas? Non. Mais il faudra qu'on aille voir Flight Radar aussi. C'était le Galactic quelque chose. C'était le Galactic quelque chose, je vais regarder. J'ai mon petit flight radar ici. Hop là. Ah, j'ai rien pour si je mets ça.
t'as quelque chose, Vincent, dis-moi, parce que moi je trouve rien. Attends, je vais aller au niveau du Nouveau Mexique. Flight Radar, je suis au-dessus du Nouveau Mexique, mais quand je tape des codes qui pourraient correspondre, il n'y a rien du tout. Bah, moi je vais aller carrément au-dessus du Nouveau Mexique, on va pas se prendre la tête. J'y suis, moi aussi. Moya vers un spaceport. Le code de l'aéroport, tu l'as? Alors attends. Moi j'ai Attends. Moyav. Je pense que ça part de Moyav, on est d'accord. Moi c'est MHV KHMV. L'appareil au sol, non. Espacial 2. On a un N93, vache. On a aussi un N747, c'est de la NASA. J'ai rien du tout sur Flight Radar. L'avion vient de décoller, je l'ai vu sur NSF. Ah, cool. Est-ce qu'on a un code, Nico? On a le code de l'appareil. Salut, JPM. Apogée 87 km pour le premier vol. Donc c'est à peu près ça. Et là on voit d'ailleurs qu'on rechute, hein. J'ai pas été voir l'apogée. On est monté à 279 000 pieds sur le dernier là. 131, je crois que c'est ça à peu près. Ouais, 279 pieds, 131 pieds sur le dernier vol. En apogée. Moi je ne trouve pas personnellement les amis, je vais me creuser les méninges et trouver ça. Sur le téléphone. Ah oui, d'ailleurs, ouais, on va. Ouais. Le téléphone, comme ça, je vais l'avoir. Avec un peu de chance, on va peut-être réussir à glaner l'info pour Flight Radar. Pour ça, faut que je retrouve mon appli YouTube. 80. Ah, ils sont montés moins haut sur le dernier vol. 2 km de moins. 85,07. IM N348MS. Oh, si c'est ça, t'es fort. Les abonnés nous donnent la solution, c'est bien. Hein. Tac, N348MS. Ah, ça a l'air d'être ça. Ah, c'est ça. Ah, j'arrive. Sur l'appli, j'arrive plus à suivre les altitudes et tout. Ils ont. Ah ouais, c'est pas sympa ça. Moi, je suis sur le site, carrément. On va aller voir. Je vais aller voir après sur le. Je suis carrément sur le site. Bon, ça, du coup, on a vu. Donc là, du coup, le décollage à 14h25, ce que je vois. On va aller voir. On va aller voir. Attendez. Mince. Oh, est-ce qu'on peut continuer d'utiliser ça? Ah ouais, énorme. Alors, regardez ce qu'on va faire. Tac. Mais par contre. Il y a quand même pas mal d'infos qui nous cachent si on paye pas le. Ouais, non, mais c'est de pire en pire. Hein. Du coup. Ah, ça marche pas. Ça marche pas ce truc. Bon, c'est dommage. Il le prend pas en compte. Dommage, je voulais vous montrer un truc sympa. Du coup. C'est ça, visiblement. On va aller le chercher tout de suite. Hop là. Show on map. Ah, mais il montre plus rien du tout. Ah, si on a le baromètre d'altitude, donc on a 23 000 pieds. Au moins, je crois qu'il va monter jusqu'à 50 000 pieds, il me semble.
pour larguer le vaisseau. On a 213 nœuds de vitesse au sol. Il a décollé il n'y a pas si longtemps. Hein. Il vient de décoller même. Hein. J'ai l'impression. On l'entend légèrement. Parler de Vincent. Le pauvre, il a vraiment des problèmes. Et salut Gino. mètres, 393 km. Ouais. Là, on fait un beau petit tour. Vers où il va se diriger? On va voir, on va suivre tout ça. Je vais revenir rapidement sur ça. Là, vous avez la descente, voilà. Là, c'est quand ils reviennent. C'est assez stylé quand même. Avec le beau tracking. Il fait beau, hein. Par contre sur place ça c'est cool. Je vois les images là. C'est vraiment aujourd'hui la première mission touristique privée, vraiment. Parce que jusqu'à présent, c'était des missions de démonstration habitée ou pour du militaire. Et là, vraiment, on va transporter des gens, pas lambda-lambda, mais des semi-lambda, avec ce véhicule direction l'espace. Bah oui, c'est dommage parce qu'à l'époque il le faisait et là il ne le diffuse plus. Il diffuse juste en fait le largage et la descente et l'atterrissage. Non, c'est pas les vraies images live là, ça c'est les images du vol précédent, du 19 juin. 29 juin ou 19 juin? 29 juin. Et ça c'est lors de l'approche finale et du posé quoi. Assez stylé quand même. Hein. Quand t'as une navette comme ça qui revient, tu te dis, mais je suis où là? Salut Michael, salut Space. Donc voilà à quoi ressemble ensuite l'atterrissage du Spaceship 2, une fois revenu de son petit périple. Salut Laurent, salut bah Michael, j'ai déjà dit bonjour. Laurent ne fait plus de live, non. Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais si elle veut revenir, évidemment, elle est la bienvenue parmi nous. C'est stylé certes, mais ce n'est pas demain qu'il y aura des charters pour l'espace. Ouh non. Et justement, SpaceX voulait aussi mettre ça en place, hein, le vol Earth to Earth avec son Starship. Mais je pense que ça serait bien plus compliqué de faire ça que de rallier l'orbite. Moi, je vous le dis. Donc, déjà, faut qu'ils y arrivent pour le second cas. Et le vol Earth to Earth comme ça, ça impose trop de problèmes de législatifs pour l'instant. Donc... je suis un peu déçu quand même, j'espérais un freinage cool avec un parachute type navette, ouais mais non malheureusement c'est pas comme ça. Ils se sont dit là où on peut faire des économies, on le fait. Hein. Ils s'embêtent pas.
Donc voilà, après c'est que du blabla de toute façon. Là vous voyez le vaisseau un peu plus proche, là c'est assez stylé quand même. À l'époque il était un peu plus bleu, il était bleu, c'était très joli. Là ils ont changé d'ailleurs avec toute l'identité visuelle, toute la DA. Parce qu'à l'époque c'était bleu, et ils ont tout mis au violet, comme nous. Vous voyez, ça s'imbrique bien hein, dans notre DA à nous. Ah bah tiens, Evan Lovell. Jim, t'es dans le chat. Qui a dû décéder à cette époque, je pense. Donc lui, il avait déjà volé Colin Bennett qu'on voit là. Il avait déjà volé sur Unity 22 qu'on avait couvert il y a 2 ans. Là, on avait le pilote. 7700 heures de vol quand même. Hein. Il y en a, c'est des vétérans. Voilà, ça c'était tout l'équipage du dernier vol. Alors, où en est notre cher avion? Il fait des petites boucles. Hein. 33 000 pieds déjà, il augmente bien. Là c'est le VSS Unity et là on n'a pas le nom malheureusement. Mais c'est les deux qui sont l'un posé sur l'autre. Après on va aller voir tous les deux se séparer. Et on est à 260 nœuds en vitesse au sol. Il y a un autre avion pas loin d'ailleurs. Qui est bien plus bas. Hein. Bien plus bas. Est-ce que vous connaissez le prix pour un billet dans ce vaisseau? Alors c'était dans les 300 à 400 000 dollars, tout à l'heure nous disait Vincent. Salut Olivier! Mais il n'y a que des garçons ici, où sont passées mes copies de filles? Ouais, je sais pas où elles sont aujourd'hui. Les vacances, hein. Il y en a qui sont en vacances, je pense. Bonjour Alex, ça va? Salut ACDM, ça fait longtemps. Comment tu vas? N'hésitez pas à lâcher votre like, comme le dit Space en bas du live, ça nous référence au mieux. Et ça permet de faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes, donc merci à ceux qui le feront, ça fait... Vous êtes les boss, tout simplement. J'arrive à peine, ils montent ou ils redescendent. Là, ils sont en train de... Là, c'est l'ascension, là. On est à... Comme tu peux le voir, à 35 000 pieds. Là, ça y est, ils ont arrêté de faire des... Ils ont arrêté de faire des petits hippodromes. Ils foncent. Ils vont tout droit. Et bah, Jason, elle travaille avec nous sur des projets que je ne peux pas dire ici, puisque c'est une surprise, évidemment. mais mis à part ça, elle fait sa vie de son côté. Je peux pas vous dire, après je ne suis pas dans sa vie quotidienne. J'aime bien le fait que la couleur change en fonction de l'altitude. Oui, c'est une bonne remarque aussi. On va même dézoomer un peu comme ça, on sera plutôt bien. Pas de soucis, ACDM, pas de soucis. J'avais oublié le pouce bleu, honte à moi. Shame on you, JP. En tout cas, les lives toujours aussi fluides, merci beaucoup. On essaye. Mais merci Eric, ça fait plaisir. Comme je dis, n'hésitez pas à poser vos questions. Franchement, c'est ça qui alimente le plus le live. Et c'est ce que je kiffe faire, c'est répondre à vos questions. Et susciter des vocations aussi pour les plus jeunes, ça c'est génial. Et vous voyez que maintenant le Nightbot aussi vous donne les prochains événements et les prochains lancements. Voilà. On se donne du mal chez Vulga Space pour vous servir. On veut plus de live. Ouais, mais c'est compliqué.
Parce que d'une, les horaires des lancements sont nocturnes en ce moment, mis à part celui-là aujourd'hui, c'est pour ça que j'en profite de pouvoir vous le faire. Et même Luna 25, dommage, on va pas le faire parce qu'il est tard. Mais demain, on fera ce qu'il faut en matière d'actu pour vous préciser, pour rappeler tout ce qui s'est passé, puisqu'on travaille aussi à côté, hein, il faut se le dire, on travaille, on étudie tous. Ensuite, on a un vol le 11 août, pour donc aussi demain, mais encore dans la nuit, pour Starlink 6-9. On a une longue marche 3BE qui décolle demain soir, mais voilà, ça, on n'a jamais de retransmission. Quaizhou 1A qui décolle ce dimanche matin, pareil, pas de retransmission. On a encore une Soyuz qui décolle pour Progress le mercredi 23 août dans la nuit. Le vendredi matin, on aura Crew 7, mais pareil. Travail, oui, donc c'est compliqué. Le samedi 26 août dans la nuit, on a Slime, donc encore en atterri sur Luna, le troisième après Chandrayaan 3 et Luna 25. Et c'est le programme jusqu'à présent qu'on a en ligne de mire. Je suis de retour, excusez-moi, j'étais au téléphone. Pas de soucis, pas de soucis. On est à quelle étape du projet de Virgin Galactic de valider les vols? Là, ils sont validés, parce que maintenant, aujourd'hui, on est sur la première mission touristique commerciale. Donc, c'est que ça a été validé. Il y a eu une première mission de démonstration habitée il y a 2 ans. Il y a eu d'autres missions avant. On est déjà quand même aujourd'hui sur le 15e vol. 16e. Attendez, il faut que je recalcule, mais sur le 15e, voire 16e vol. Donc, c'est que maintenant, bon, le vaisseau est certifié. Au bout d'un moment, il est certifié, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué si on le. Si on met 30 vols pour certifier un vaisseau, là ça va plus être rentable et on repart tous chez soi, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est sûr que point de vue rentabilité, ils doivent être rentables. Hein. S'ils le font, c'est qu'ils doivent l'être. Parce que c'est comme un commerce, tout ce qu'il y a de plus bête. Hein. Si t'es pas rentable, ton commerce il coule. Bah, là ça va être pareil. Donc on est forcément rentable. Et là on est au 16e vol, voilà, aujourd'hui. Donc là c'est purement commercial, on transporte des personnes dans l'espace pour leur faire réaliser un rêve. Voilà. Aujourd'hui il y en a qui vont réaliser leur rêve, donc c'est quand même cool, quoi, franchement. Pas tous les jours qu'on part dans l'espace, donc il y en a qui vont cocher ça aujourd'hui dans leurs objectifs de vie. Tu pourrais faire des lives avec KSP2? Je pourrais, mais je le fais pas, malheureusement. Et si je le fais, ce serait plutôt sur Twitch. Et je suis plus trop sur KSP2 en ce moment, je vous avoue. Merci pour la réponse pour Virgin Galactic, ça n'a pas été vendu ou fait. Alors c'est Virgin Orbit qui a fait faillite. Virgin Orbit, parce que il y a eu pas mal d'échecs. Le dernier vol d'ailleurs au niveau des cornois, il s'est mal passé. Il y a eu un. Il me semble que ça avait été déposé sur la mauvaise orbite. Que le second étage n'avait pas bien fait son travail. Enfin, il y a eu pas mal de pertes. Et l'entreprise n'a pas pu s'en relever. Voilà. Et ils avaient vendu en fait à différentes entreprises. Ça, faut que je vous retrouve ça. J'ai le temps de vous retrouver ça parce que j'avais fait un tweet vraiment complet sur ça. Donc, tant qu'on est là et qu'on peut discuter, moi ça me va. Donc, je vais vous retrouver toute la news. Mais c'était vraiment pas une très bonne nouvelle pour eux. Hein. Je vous le dis, ils ont. Bah, malheureusement, il y a des employés qui ont dû partir. Hein. Malheureusement, c'est. Ça engendre des licenciements et ça, c'est dans tout, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc il y a eu de la vente de Virgin Orbit fin mai dernier. Il y a eu en fait une redistribution des activités en fait de ce que possédait l'entreprise. Donc Rocket Lab a obtenu l'usine de fusée de la société donc à Long Beach en Californie. Launcher, une autre entreprise qui a été rachetée par Vast Space, va obtenir les installations d'essai de Virgin Orbit à Mojave. Et Stratolaunch, donc vous savez ceux qui ont l'avion aussi double fuselage comme Virgin Galactic. Va recevoir le Boeing 747 Cosmic Girl. Voilà. Et donc tout ça, c'est un montant global de 35 millions d'actifs quand même. Hein. 35 millions de dollars, hein, tout ça. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est triste, mais bon. Et déjà depuis mars, on parlait de ça. Hein. Il y avait déjà des rumeurs fin mars de cessation d'activité. Après eh bien, un échec d'obtenir une bouée de sauvetage de financement, ils ont même licencié 90% de la manœuvre déjà à cette époque-là, donc ça fait déjà 5 mois, 4-5 mois. Donc ça c'est le PDG qui avait annoncé ça, voilà, et il y avait de la recherche de financement d'urgence, il y avait un plan de restructuration qui avait été initié, qui avait été tenté. Les effets n'ont pas eu les conséquences, ça n'a pas eu les conséquences escomptées. Et ils voulaient faire une levée de fonds de 483 millions de dollars.
Mais ils ont pu enlever même pas la moitié, hein, 228 millions pour rappel. Et donc voilà, l'entreprise a aussi chuté à la bourse. Hein, ça a été. C'est surtout la valeur qui a posé le problème de départ, hein, 0,42 $. Qui restait plafonné, qui a stagné pendant 6 mois ce montant-là. Donc tout ça, ça a fait que ça n'a pas aidé. Et tout cela résulte du dernier échec qui a eu lieu en février. Déjà, ça fait 6 mois. Et d'ailleurs, Lucas était avec moi ce jour-là. C'est la dernière fois que Lucas est arrivé. Il est venu sur la chaîne. Parce que tout ce qui est aéro et spatial, il kiffe. Donc il était venu. Et il y a eu un problème sur un filtre à carburant du second étage. Voilà. À cause d'une pompe à kérosène dysfonctionnante. Qui n'a pas alimenté suffisamment le moteur. Et qui a donc fait surchauffer ce dernier. Et donc la mise en orbite a échoué. Donc voilà, vous voyez de quoi on part pour tout. Tout faire tomber, c'est quand même triste. Mais. Et puis ils étaient un petit peu déjà sur la sellette. Donc c'est triste. Blue Origin ne relance toujours pas son activité? Bah non, je sais pas si on a des nouvelles dates, je vais aller voir, mais comme je vous ai dit, on avait un document de la FCC qui disait que à partir d'avril ça devait repartir. Ça devait, mais depuis j'ai pas de nouvelles. On voit des choses, on voit des plans de Jarvis. Mais là on n'a plus rien pour la New Shepard. On a un vol de New Glenn visiblement pour décembre 2023, mais je n'y crois absolument pas, je vous le dis, j'y crois pas du tout que dans 3 mois et demi New Glenn va voler. Et après, on aurait des vols. On aurait 3 vols en 2024, 1 en 2025, 1 en 2028 et 1 en 2029. Ouais, notre cher Adam, il a refait un petit tour. Là, il va refaire un hippodrome, mais bien plus long maintenant. Et il en est à 42 000 pieds. On n'est plus très loin du largage. Hein. Et je crois que d'ailleurs, on est sur le début du live en haut à gauche, que j'ai pas du tout été voir. Voilà. Donc il va bientôt débuter, à ce que nous dit l'entreprise. Bah voilà, on a un petit compte à rebours. Bah c'est nickel ça. Bah, je l'ai pris au bon moment. Millions et millions. je parlais en millions sur Virgin Orbit. SpaceX a acheté une part, si je ne m'abuse, je crois pas. Enfin, je l'ai pas lu en tout cas, peut-être, c'est peut-être le cas, mais de ce que je disais tout à l'heure, je pense pas. C'est peut-être possible. Vous savez, SpaceX, ils fourrent leur nez un peu partout. Hein. Là où il y a des activités à prendre, ils les prennent. Hein. C'est en même temps les leaders. Hein. On va pas se mentir. Juste pour un filtre, c'est vrai que c'est navrant. Ouais. Que voulez-vous? Le spatial ne pardonne pas, malheureusement. Le moindre échec vous condamne parce que vous levez beaucoup de fonds. Beaucoup de banques, d'investisseurs vous font confiance et derrière, si vous n'arrivez pas dès le départ à prouver toute votre valeur technique, bah, c'est très très compliqué de s'en relever. Bonjour Régine, tu n'es pas toute seule Jacqueline, voilà, une autre femme t'a rejoint. Donc là on voit le beau petit hippodrome qu'il a fait là. Il est en train de remonter quasiment à la même... que tout à l'heure. Il y a quelques petits avions de tourisme quand même dans le coin. Ah, on te salue Vincent dans le chat. Là, du coup, là, on a dépassé les 13 km d'altitude déjà. On est à 43 350 pieds. Pour une vitesse de 307 nœuds au sol. Donc on va s'approcher du largage du Spaceship 2. Exactement, t'as qu'à le faire. Salut à toi, bah merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche si ça te plaît. Bonjour Loïc. Bon, vous n'êtes pas en retard, hein, ceux qui arrivent, le largage va débuter dans 3 minutes. Le décollage, lui, a eu lieu il y a pas mal de temps déjà parce que l'info, elle est parvenue à 16h27. Donc, on est parti déjà il y a une demi-heure. Donc, vous voyez qu'on met quand même près de 35 minutes à atteindre l'altitude souhaitée. Donc, c'est quand même... ça met un petit peu de temps.
histoire de bien faire stresser l'équipage avant l'allumage du moteur. Et ensuite, on largue tout ça dans 2 minutes, normalement, si tout se passe bien, d'où le live qui va pas tarder, là. Chez Virgin Galactic. Quand on regarde la vitesse, au final, on n'est pas si rapide que ça avec l'avion. Non. On est qu'à, si on convertit en kilomètre heure, on est à peine 600. Ouais, normalement, on vole à des 900-950, hein, sur des vols traditionnels. Ah, j'ai regardé l'avion de tourisme, évidemment il va bien moins vite, mais je voulais voir s'il n'y avait pas un avion plus grand dans le coin. On en a un qui va à 455 nœuds à côté, on a un 319 qui va à 455 nœuds, effectivement qui est bien plus rapide à côté. Flying, il dit que pour convertir les pi en kilomètres, je multiplie 12 par 12, je divise par pi et j'ajoute l'âge du capitaine. C'est une bonne remarque. Essaye, hein. Essaye. Si tu me trouves le même résultat qu'avec un convertisseur classique, chapeau. Il n'y a pas de zone d'exclusion autour du vol. Bah, je sais pas comment ça se passe chez Virgin Galactic, mais certainement, parce que la FAA, on en avait imposé une il y a 2 ans, donc je pense qu'il y en a une. Mais c'est vrai que là, il y a des avions qui bah, qui respectent pas, hein, clairement. Bah tiens, on va aller voir, d'ailleurs, les TFR aussi, c'est une bonne... J'aurais même dû le faire avant. Bah, après, ça dépend peut-être de l'altitude, vu que celui-là, il est très très haut. Peut-être que ça correspond à peut-être une zone d'exclusion, mais qu'à partir d'une certaine altitude, tu vois. Là, on est sur celui du 10 vols. Nouveau-Mexique, Las Cruces. Effectivement, on a une zone d'exclusion. Hein. Et du coup, le petit avion qui est sur le trajet, là, J'essaie de repérer tout avec le... Si on a le... Parce qu'en fait, il y a un fleuve qui s'en est passé, un lac, etc. Mais on n'y est pas encore. Ou alors c'est que je suis pas sur le bon TFR. Mais ah si si, j'en ai là, j'ai un truc là. Si si, c'est bon, je l'ai. Non, en fait la zone est un peu plus haute, j'ai l'impression. Quand je montre ici, je vais montrer là je le montre, tiens, là sur le stream. Là on le voit. Donc là il y a toute une partie d'ailleurs le live a commencé à gauche de Virgin Galactic. Pour l'instant on va laisser notre musique, etc. Parce que je pense qu'il y a des musiques peut-être pas libre de droit sur le live de Virgin. Donc on va laisser les nôtres. Enfin celle de Tim évidemment en description. Et donc là vous avez donc un lac, puis un autre bout bras de lac. Je sais pas comment on peut qualifier cela. Au sud et à l'est de la zone. Et là on est pas très loin de cette zone en fait. Et c'est juste au nord ici que c'est censé être exclu. Donc là on voit qu'ici effectivement il n'y a personne. Mais on voit qu'il y a quand même un 767, un Boeing 767 qui s'en approche quand même là. Il est à quelle hauteur lui ? Il est à 28 000 pieds, donc il est plus bas. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur le TFR... Moi sur le TFR, ce que je veux aller voir, c'est l'altitude, etc. Alors on a les latitudes, longitudes, mais on n'a pas l'altitude. Sur le TFR, ça c'est assez dommage. Sur le NOTAM. C'est ce que je te dis, s'il y a des avions de ligne qui passent, c'est que potentiellement, c'est une question d'altitude pour la TFR. On entend très faiblement la deuxième personne pour info. Sont nickel. Bon, faut ça, vous décidez, les gars. J'essaye de faire des efforts. Hein. Je parle plus fort et je me rapproche de mon micro. Mais après, mon gain est au maximum. Alex, il a baissé son déjà. On a déjà fait quelques réglages, mais. Ça veut pas. Ouais, non. Enfin, c'est peut-être mon ordi. Hein. Avant, sur les anciens lives, j'étais avec une autre tour. Qui est paix à son âme décédé, pauvre. Et là, du coup, je me suis racheté un nouvel ordinateur, une nouvelle tour, il n'y a pas longtemps. Donc après, peut-être qu'il y a un réglage que j'ai pas trouvé. On va finir par le trouver. Je vais essayer d'augmenter un fond Discord, mais bon. Salut Laurent.
On entend ta conscience qui te parle. Non, c'est pas ma conscience. Non, je confirme, sont pas top pour la seconde personne. Bon, bah... on fera avec, les gars. Ah, il y a Flame qui vient de dépanner. Non, mais t'inquiète, il a son dépanneur. On entend mieux Vincent. Ah, peut-être que mon réglage a marché, alors. Ok, donc là, on a le plateau à gauche. Avec la même présentatrice que l'autre fois. Ça ne bouge pas côté Virgin. Il y a du mieux en effet. Ok, bon, bah ça a l'air de s'être un petit peu résorbé. Ouais. Ne pas se faire valoir la dette. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que là... on va peut-être se mettre en grand la webcast, si vous en pensez. Voilà. Donc est-ce que c'est le décollage qui a eu lieu tout à l'heure? Certainement. Le décollage de l'autre fois. Ok, on a les images en direct. Ça c'est cool. Donc on est... ah. Par contre, s'ils font ça à chaque fois, ça va être compliqué pour moi. Salut Roger Cavaillès. Montrez-nous plus des images de l'avion, s'il vous plaît. 17 minutes. Ah, j'ai pas vu, moi, le timer. Parce que là, il est 17h. Normalement, ça devait déjà... vous voyez ce que je veux dire ? Ça devait déjà être largué. Ils ont pris du retard, certainement. Ouais. Bon, pendant qu'on aura la petite image, je ne montrerai pas ma tête. Donc on est, oui, effectivement, à 16 minutes du lâcher. 44 000 pieds d'altitude, 366 miles par heure, Mach 0,5. Donc on est à 600 km/h par là, si je... bah, comme ce que tu disais tout à l'heure, je crois, Vincent. Donc ça n'a pas bougé. 367 miles par heure, on a en termes de... 367 nœuds, du coup, on est... 367 miles, fais gaffe. Miles ? Ouais. Allez, d'accord. Donc on est à 590 km/h. Ouais, donc on est vers les 600. Ah, parce que moi, les infos sur Flight Radar, je suis en nœuds, donc ça. Ça manque d'hôtesse quand même, ah, non, mais là... bah si, on a un cabin crew, c'est justement une dame, hein. C'est celle que je vous présentais tout à l'heure, à savoir Beth Moises, américaine. Quatrième vol, aujourd'hui. Sur le dernier live, c'était pareil, du blabla speaker, ouais. Ouais, non, mais le dernier live, tu parles du dernier live de Virgin ? Je comprends pas, Fred. Salut Philopath, j'ai pas vu ton message. Allez, montrez-nous des vues de... oui, bon, on est content que la Barbade envoie des astronautes, mais nous, on veut voir l'avion, là. Tu te rappelles, il y a 2 ans, là, comme bizarre qu'ils avaient vu Virgin Galactic, je sais pas si tu te souviens, là. Il y avait eu un plateau... plus que douteux. Et bon, c'était plein ce jour-là. Ah, mais je me souviens. Je regarde le replay. Il y avait une communication très farfelue de Richard Branson qui, tu sais, qui était parti en mode très extraverti. C'est vraiment l'américain pur, tu sais. Ah oui, tout juste. Et on s'en était plein, mais waouh. Ouais, le mec il faisait vraiment le cowboy à fond, quoi. Ouais, et pas juste le cowboy premier sens, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'était vraiment le cowboy qu'on peut appeler beauf, hein, carrément.
J'étais vraiment le gros beauf de base. C'est vrai que la com à ce moment-là elle était pas folle folle. Alors, à mon avis, c'est lui qui l'avait voulu comme ça. Non, ils ne vont pas super vite. Effectivement, là, ils vont très haut. Et il faut qu'ils vraiment qu'ils larguent le vaisseau à un point précis. Donc, ils peuvent pas se permettre d'aller trop vite non plus. Et ensuite, c'est le vaisseau qui va vraiment lui partir à Mach 2.8. Salut Ryzen. Je te rassure, tu loupes pas grand-chose pour l'instant parce que l'avion a décollé, si je ne m'abuse, il y a 35 minutes. 16h27. 27. Et ben, ils ont toujours pas largué, ils sont en retard. Donc au final, t'es pas si en retard que ça. Là, ils nous font un petit portrait là, de chaque membre d'équipage. Ça, c'est un peu mieux déjà. Donc avec John Goodwin, que vous voyez, qui est le premier Olympien qu'on transporte, qui a été un athlète. Là, on avait aussi Anastasia Myers. Donc là, on a justement les vrais trois touristes. Donc John Goodwin, Kesha, Chalaf et Anastasia Myers. Donc là, on voit justement John Goodwin en pleine épreuve. Il a aussi monté le Kilimanjaro. Il a gagné une médaille d'or en canoë en 85. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu, quoi. Hein. Dire ce que on peut le dire. Et il avait la maladie de Parkinson en 2014. Ça, c'est quand même... bah, c'est une belle revanche aussi pour lui. Là, on voit Richard Branson, d'ailleurs, le patron de Virgin. Et bien, à mon avis, là, il va se dire, bon, je voulais faire ça avant que ma vie se termine. Et je trouve ça merveilleux, quoi. Ça, Parkinson, terrible maladie. Ouais. Là, il doit se dire, de toute façon, j'ai fait ma vie, maintenant, je vais faire ce qui va me faire clairement kiffer le reste de ma vie. Et ça en fait partie. On est posé sur le petit bandeau de Virgin, là on est bien. Alors là on est bien. 44 000 pieds, on s'approche hein, on s'approche de l'altitude finale. On voit les membres d'équipage qui sont. Enfin les passagers en tout cas, parce que l'équipage lui est dans le cockpit. Mais les membres d'équipage sont concentrés. Peut-être un peu stressés, peut-être un peu anxieux, mais je pense que l'excitation est clairement aussi présente. Nous sommes exactement à 13 58 km d'altitude. Et normalement, c'est à 15 km d'altitude, hein, l'altitude de largage. Donc on est aux portes de cette altitude. C'est un miroir au fond. J'ai pas fait. Je crois que oui. Oui, il y a un miroir au fond. C'est normal si je monte pas ma tête, les amis. C'est pour. Il faut éviter de la redescendre, etc. Au fond du ship, oui. Au fond du vaisseau, il y a ça. Il y a ce miroir. Ils sont déjà dans l'espace à lune. Non, Baudry, ils sont pas dans l'espace. Ça, c'est quand Richard est venu leur annoncer, bah, vous êtes prise. C'est ouf quand même. Moi, on me dit ça, je réalise pas. Hein. Je vous le dis, je sais pas comment je réagis, mais waouh. Bon, en tout cas, j'en mets de la caméra, je vous vlog ça, quoi. Moi, c'est direct, c'est le premier truc qui me vient en tête. Il fait ça pour chaque client. Je pense qu'après, ce sera pas comme ça. C'est juste histoire de marquer un peu le coup. Mais après, quand ça va devenir démocratisé, quand ça va se démocratiser, ça sera moins le cas. Le problème de ce genre d'activité, c'est que le jour où il y a un accident, l'entreprise coulera directement, non ? Possible. Possible. Ça dépend de ce qu'il y a dans les contrats, en fait. C'est comme ce que je disais pour le Titan en début de live. Musk, il fait pas ça, non. Musk, il a un objectif précis. Quand on regarde les seuls qui arrivent à rester debout, quand il y a des accidents mortels et tout, c'est soit les plus gros, les plus riches, soit les agences gouvernementales. C'est ça. Celles qui détiennent tous les fonds, quoi, hein, qui vont servir. Parce que la NASA, ils ont eu quand même pas mal de mal à leur actif, hein, quand on regarde. Avec les missions Apollo, tout ça, avec les missions Navette. Je sais plus laquelle c'est qui avait explosé en plein vol. Challenge Columbia. Columbia.
Et puis au final, la NASA. Ah, j'étais perdu, Vincent. Tu prends ton PC pour le mettre en live? Oui. Je crois qu'on a perdu Vincent, les gars. Ou est-ce que c'est moi qui ai bugué? Alors, peut-être. Actuel, il est toujours... Fais gaffe, Vincent, tu buguais, on n'a pas tout entendu. Ah. Mais tu peux répéter, du coup. Si ça veut bien. Non, Challenger, c'était pas au décollage. Ça, c'était pas l'atterrissage, c'était au décollage. On parlait de l'atterrissage. Ouais, plus qu'en Fafa, vous voyez, là, il est passé en mode... Je sais pas s'il y a un personnage dans Star Wars qui fait ça, mais bref. En mode R2-D2. C'est un genre qui a explosé et Indivor me semble qu'il s'est désintégré. Non, c'est Columbia qui s'est désintégré en rentrant. Columbia, si je me trompe pas, avait pris un coup sur la tranche d'une aile. C'est le bouclier thermique qui avait pris, je crois. C'était de une sorte de mousse ou je sais plus quoi. Et quand ils sont revenus, avec un bouclier thermique... abîmé, ben ça a fait ce qu'on a connu. Ils sont excités en tout cas dans les barbades. Là, ils se disent, punaise, c'est incroyable. On a deux de nos membres qui vont dans l'espace là. Il y a du peuple là pour voir ça. Je sais pas si c'est en direct. Je pense que ça doit être en direct. Salut Empereur, comment tu vas? Ça va nickel, hein? Jour de live, ça fait plaisir. Donc là, vous avez le commandant, 8e vol. Qui a volé sur navette spatiale T-38 FA-18 8700 heures de vol. Il a beaucoup de coffres, clairement. Et je voulais voir d'ailleurs sur quelle mission il avait volé. On a Kelly Latimer qui est pilote, qui a volé sur T-38, C-141, C-17, T-34, B-747SP. Donc oui, C-147. 7000 heures de vol à son actif. Est-il possible de monter le volume sonore? Lequel? Le mien, celui de Vincent, la musique? Oui, Empereur, mais 80 km, c'est pour les États-Unis. Et on avait Beth Moises, instructeur en chef. Celui de Vincent, bah on peut pas faire grand-chose, on a fait tout ce qui était notre possible. Le mien, bah moi, le mien, il est élevé. Hein. Je peux le remonter, regarde, hop. Mais si je le monte trop fort, vous allez avoir mal. Ok, on est à 4 minutes du lâcher. Max 0.5, toujours. Là, on commence à avoir une petite courbure de la Terre malgré tout déjà. Cette altitude, c'est très beau. C'était un morceau de mousse isolante qui a tapé contre le bouclier de protection thermique. Effectivement, Vincent, tu avais raison. Ça, ouais. Comme quoi, ça sert de regarder la télé un peu. De se documenter sur des bonnes choses. Dans toutes les émissions qui parlent de l'espace, ben, ça, comme avec Alex, on les bouffe. Hein. On aime ça. Quand on a le temps. Voilà. C'est encore beaucoup de blabla.
Ils sont heureux pour leurs collègues, amis, connaissances qui partent. Si un truc qu'il faut redire pour le FT2 Starship, si la fumée est marron, ça sent pas bon pour le pad. Redstone qui revient et qui balance ça. Sorry Shannon Obli, c'est ça. Salut Thierry Marie. Allez, on est à 3 minutes 30 du lâcher. Là, juste avant de lâcher, une minute avant, on va évidemment se muter. On va profiter, s'immerger avec vous de l'ambiance sur place. KSP me manque. Mais remets-le. Salut Elisa. Est-il repérable sur Flight Radar? Oui. Du coup, j'ai plus son numéro, mais je vais vous le redonner. C'est le VGX04. Je vais le mettre dans le chat. VGX04, pour ceux qui n'ont pas entendu. Et on va vous le poster dans le chat. Voilà, Vincent vous l'a mis. Je vous l'épingle comme ça. Vous pouvez le retrouver plus facilement. Et là, on est à 14 km 19 d'altitude. La vitesse a un peu descendu du coup. Ce qui peut se comprendre, vu qu'on monte encore un peu. Ouais. Ah, et puis là, j'ai l'impression qu'il monte un peu plus... C'est les deux, c'est pareil, Jason. Enfin, il va falloir surveiller la séparation, ce que ça va donner. Là, j'ai l'impression qu'il monte plus fort que le reste du vol. On avait une belle petite vue, là. On a une belle petite vue du sol, ça, c'est cool. Ça change. Ils ont investi, Virgin Galactic, dans des caméras. Ah, c'est énorme. Salut Hugo. Salut Hugo. Bonne été spatiale à tous. Merci Flat, malgré son ennui, on va pas se mentir. Je les suis sur Flight Radar 24, donc c'est cool. De toute façon, c'est l'un des deux. Vous allez voir qu'il y en a un qui va se séparer. Et c'est celui-là qu'il faudra suivre. Hein. De même façon, l'avion, après, il faut aussi suivre. Parce que il faut bien se... Comment dire, se tenir au courant des atterrissages de chacun, parce que du coup on a deux appareils qui vont atterrir après là. GNSF, ils sont déjà en train de redescendre, mais non. Ah ouais, non, mais ouais, c'est fou ça. Et pour suivre le deuxième appareil, du coup c'est VGX03. Ah oui, chez Space Flight, ils en sont là déjà. Ah ouais, mais il y a un immense décalage, comment ça se fait qu'ils aient ce flux-là Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai accéléré parce que là, ça me va pas. Ah oui, effectivement. Ou alors, c'est que... je vais aller chercher s'il n'y a pas un autre flux. Il y a un autre flux quelque part, en fait. Latence de malade ou quoi chez Virgin? Bah, je pense que c'est ça, ouais. Oh là là. Attendez, on va quand même. A perfect separation for 15 seconds. Bon, écoutez, on a du retard, franchement, je comprends pas. Allez, on va lâcher de notre côté. Allez, lâchez. Allumage. Regardez cette belle petite traînée. Normalement, on va revoir l'avion là, juste au-dessus, ça va être beau. Ah, même pas, dommage. Ah, ça aurait été cool. Ok, Mach 1. Donc là, je vous rappelle, on va monter jusqu'à Mach 2.8. Hein. On n'est même pas encore à la moitié de la vitesse maximale. Ok, on est à Max Q. On est à max Q les amis, donc on est au point de pression dynamique maximale, hein, exercé sur le vaisseau, là où l'air appuie le plus sur ce dernier. Et on va éteindre dans peu de temps, Mach 2. Donc là on voit que ça accélère. Hein. On voit que ça accélère sur les... Donc là ça serre fort la cage thoracique du côté de la cabine.
Et on s'en approche de la vitesse maximale, ça y est, on y est. Et on va couper. Voilà. Quasi Mach 3. Et là maintenant, ils sont en impesanteur, donc chute libre. Jusqu'à la phase de descente. Allez John. Il galère le pauvre. Pendant ce temps-là, les deux dames des Antilles profitent à fond. Là, on a le petit flip. On se retrouve sur le dos du vaisseau qui va donner sur la Terre. Alors, on a des petites coupures. Et on a déjà monté à l'altitude. On n'est pas encore monté à l'altitude maximale. Il va falloir surveiller l'apogée aussi. Voir s'ils font plus que la dernière fois ou pas. Ils sont devenus astronautes du point de vue américain. J'ai prévu une barge de récup pour les dents du papy. Non. On monte encore, on est monté à 290 000 pieds. Donc j'ai l'impression qu'on est monté un peu plus haut que sur Galactic 01. Ah oui, on est bien monté plus haut. 88 km d'altitude. On est monté 6 km plus haut hein, que le dernier vol. Effectivement, la descente a été initiée. Alors, apparemment, il y a eu des booms supersoniques au port spatial. Donc, effectivement, on a pas mal de retard chez Virgin. L'angoisse MDR c'est beau mais moi je le fais pas. Ouais non moi non plus. C'est pas un vaisseau malheureusement qui dispose d'ailleurs de système d'abort, hein, système d'évacuation d'urgence. Donc si ça rate, vous êtes un petit peu fichu, c'est le terme. Donc, quitte à faire un truc comme ça, autant partir avec Crew Dragon. Au moins on a un système de secours quoi. Ou New Shepard aussi. On a à nouveau un Mach 2, Mach plus de Mach 2. Oh, c'est beau, on a une belle vue là. Non, il n'y a pas de parachute, Jean-Luc. Ça redescend. Je vais pas dire comme une navette, mais c'est une brique un peu, qui a quand même un peu plus de finesse que la navette. En fait, là, pour le coup, c'était vraiment un gros pavé qui avait une finesse très très basse de 1 ou 1.2. Mais au final, la navette a très bien fonctionné aussi. Hein. Mis à part les deux accidents qu'on a parlé tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Ah, petite coupure de flux. Non, c'est bon. C'est quoi ce qu'ils ont dans le dos? Peut-être de quoi s'éjecter en... Peut-être... Si jamais ils arrivent à s'extirper, de quoi descendre en toute sécurité. C'est du supposition. Et pour les vols sécurisés, je vous propose Starliner, ils sont toujours clés au sol. D'ailleurs, Starliner, on n'a rien avant mars 2024, les amis. Il va falloir patienter, hein. Parce que le prochain test qu'ils doivent passer pour pouvoir voler en mars, c'est en novembre, sur les parachutes.
landscape of New Mexico is just very indicative of this planet. À la hauteur de 300 400 000 dollars, Roger. It's really just amplifies going to space, looking down on just the beautiful. On a une jolie vue quand même là. And the feather is now down and locked. So the pilots are starting that gentle pull back to straight and level flight. Its spaceship is now a glider. So it's all about balancing that potential and kinetic energy. If they want to go faster, they push the nose down, and if they want to go slower, they pull back and bring the nose up. Et là, on est revenu quasiment, on est plus bas maintenant que l'altitude où on a largué le vaisseau tout à l'heure. On board on the leading edge of Broadening Space Access and are taking the first steps in hopes that others may find it easier to follow their lead. Now, Keisha, Lucas, il y a Lucas dans le chat, les Canadiens sont sortis. Comment ça va les gars? C'est dans l'espace, PP, 400 000 dollars pour risquer autant ma vie sans moi. Ouais, non, mais j'ai un peu le même raisonnement que toi. Bah, je le fais, mais si j'ai un système de récupération qui me dit, dans tous les cas, tu reviens en vigueur. C'est triste comment, mais ils ont un petit patin, ils ont... et puis ils ont deux roues à l'arrière. Voilà, deux petits trains. Et que Virgin qui propose ce genre de choses avec un avion, tu parles, ou du tourisme suborbital, tourisme spatial? Salut Claire Gold. Ça tangue bien quand même, oui. Oui, c'est pour ça qu'ils sont aussi strappés, hein. Un petit peu, un tout petit peu. C'est pas non plus à la hauteur des capsules conventionnelles. Mais... Lucas, le messie de la chaîne. Eh oui, il nous manque. Il y a l'ex CR7. Ah, ouais. Ça me va. En vrai, ça me va. Ça devrait être l'inverse, hein, en matière de taille IRL, IRL, mais c'est pas grave. On passera. Bon, bah voilà, on a tout vu, hein. Alors qu'on a encore des vues chez NSF, que je surveille à gauche. D'ailleurs, on va peut-être voir le petit flight radar aussi. Ah, ben non, du coup, moi, il s'est stoppé. Non, j'ai toujours les infos sur le vaisseau, là, pour le coup. Ben, moi, il m'a... Tout à l'heure, quand je suis resté, il m'a dit, bon, bah, attends, mais t'as fait 30 minutes, gars. Ouais, moi aussi, mais tu rafraîchis la page, j'ai ça. C'est le 03 ou le 04, le vaisseau? Le 03. Le 04, ouais, c'est la vue. Ok. Il descend vite, hein. On est plus qu'à 11 600 pieds là. Show on the map. Ouais, il est en train de faire une belle petite boucle. 10 700 pieds, tout à fait. Vous êtes les goats, merci, merci beaucoup. C'est plaisir. Quand même pas Claire Gold, mais malheureusement on sait qu'il a tué des gens au début et voilà, c'est les risques qu'on comprend, hein, dans ce genre d'expérience. Merci Hervé, merci à toi d'être passé, ciao ciao ciao. Laura, de qui parles-tu, Seb Seb? 400 000 dollars volatilisés en 20 minutes, c'est ça. 450 000 dollars par personne. Et là, ils étaient 3, donc ça veut dire qu'il y a eu 1 350 000 d'engrangés pour Virgin. Ah, mais au final, combien... A coûté le vol, l'équipage. Ah, parce que il y a l'équipage de l'avion, et l'équipage du vaisseau. Il y a les personnes au sol. Il y a tout un panel de personnes qu'il faut payer, donc au final... Au final, ça représente pas mal de coûts, donc combien ils vont se faire de marge avec ça? Pas grand chose, hein. Un petit peu quand même, un petit peu. Tu dois s'en faire, une bonne marge. Hein. Mm-hmm. Parce que bah, après, il y a tous leurs projets futurs, il faut financer aussi. Donc, j'imagine que ce genre de choses, si ça coûte des sommes comme ça... C'est derrière de se dégager une bonne petite marche quand même. Et ben, je ne sais pas, Seb Seb. Voilà. non, il y a aussi Blue Origin. Et SpaceX est aussi mis dedans. Hein.
rafraîchisse la page. 1 million, c'est une seconde de travail pour Jeff Bezos, c'est ouf. Alors, on a le drapeau des Barbades et d'Antigua. Ça tangue, hein, waouh. For Keisha and Anna landing and being there to cheer them on. Yeah, no, I mean, I guess all I'll say is I've had the pleasure of spending some time with Keisha. After we surprised her, she and her husband gave me a tour of the island for a day afterwards, and for her, this is like the biggest dream of her life. And she gets to bring her daughter on that too. And so I think that's what I will leave everyone with is just a imagining what it would be like for someone who's dreamed of this forever. Ouais, on en a parlé en plus tout à l'heure de ça. Sur quel site qu'on réserve le billet? Bah, virgingalactique.com. Je sais même pas si on peut réserver un billet directement sur leur site. À mon avis, il faudrait peut-être leur envoyer un mail ou un truc. Ouais, je suis en train de regarder sur leur site. Non, parce que vu le prix du billet, je pense pas que ce soit un libre service comme ça. Pour tout le monde, hein. Bah déjà, tu peux te connecter, te faire ton compte. C'est toute une organisation, ça. Ah, voir la brochure. Space flight. Donc ils ont quand même 6 pilotes hein, dans leur flotte. Donc tous ces pilotes déjà, il faut les payer. Can. We're at this point just under 12,000 feet. Kelly was at the controls there for most of the glide. CJ has just resumed control of the flying the spaceship. So the approach checks are in work. They've sur l'approche finale là. Enfin, il y a quand même encore 10 000 pieds. Hein. Ils ont coupé la parole au Premier ministre, il faut croire. Salut à toutes et à tous, au top le live, merci, on est loin des lives de 6h pour les essais des SN Biza, oui. Ah, vous avez vu sur le dernier live hein, du B9 qu'ils n'ont pas traîné SpaceX. Est-ce que le décalage est passé? Je crois pas. Hein. Ah, je crois qu'il est passé. Non, il y a encore du décalage. Ils ont encore de l'avance. Il y a déjà une date pour le deuxième vol du Starship? Aucune idée, les amis. Mais ça s'approche. C'est tout ce que je peux vous dire, voilà. C'est très précis, hein. Oh, on voit un autre avion derrière, la vache. Oh, on a la petite approche là. Ah, ça arrive vite, hein. Ah, il plane, il est presque limite en train de planer au-dessus de la piste. Et ça y est, ça atterrit. Il y a déjà plein de véhicules autour là. Posé. Et bah, bravo, Galactic 02. Bravo à vous. Bravo, allez, bravo aux pilotes, aux commandants. Ils ont géré. On voit le petit patin à l'avant, donc vous avez deux trains à l'arrière, deux petits trains.
et à l'arrière une autre partie que je ne saurais vous décrire car je ne suis point spécialiste malheureusement en la matière, surtout sur les aéronefs de ce type. Mais c'est quand même bien, bien stylé. Hein. Ils ont l'air fatigués, mais en même temps, ah si quand même, ils applaudissent parce que sur l'autre vue, ils avaient pas ce mood là. Ah, ça sera la fin du live. Ah non, on continue. Et la dame que vous voyez là, elle avait volé au premier vol de démonstration habitée. Hein. J'étais sur le site tout à l'heure. C'est, j'ai plus son nom, mais je vais le retrouver. C'est Sirisha Bendla. Pre-flight. Bah ça va être la fin. Voilà, c'est la fin les amis. Alors que chez NSF, on voit encore des trucs, c'est assez ouf. Bon, la musique, vous savez ce qu'on va en faire. Bah voilà les amis, c'était plutôt sympathique hein, ce vol, franchement moi j'ai beaucoup apprécié. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas couvert ça, donc ça fait du bien de revoir ce genre de... Bah de campagne de vol, hein, clairement, ça c'est vraiment ça change du tout au tout. Du coup, ce que je disais JPM tout à l'heure, je ne sais pas. On ne sait pas où est-ce qu'on en est pour Starship, mais ça va approcher. Hein, certainement fin août, début septembre, je pense que ça risque de s'approcher. Oui, Roger KV, c'est parce que je vais un peu vite, mais je pourrais rester plus longtemps. Voilà. Très certainement PFM, très très certainement, on a hâte. Deux turbines qui servent freiner, peut-être, oui, ce qu'on voyait en dessous de la partie arrière du fuselage, en bas. Et pendant ce temps, l'avion n'a toujours pas atterri. Hein. Ah si, si. Ah, l'autre, le porteur, tu veux dire? Ah oui, non. Ah oui. Non, il n'a pas atterri. Le porteur, il n'a pas... Il est à quelle altitude? Il est encore à 35 900 pieds. Oh là, oh, il y a un problème là. Bah, c'est flat radar, hein, après. Ça a l'air... ou alors il... C'est étrange, hein. C'est étrange. Je sais pas merci, t'as qu'à le faire, surtout Virgin Galactic qui nous a bien aidé, mais merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il est aussi long à descendre qu'à monter. Ouais. Ah bah il est plus long à monter, à descendre là pour le coup. Parce que là on est quand même parti, ils ont quand même largué il y a combien de temps? Ils ont largué il y a... que je regarde. Ils ont largué il y a 20 minutes. C'est ça, il y a 20 minutes ils ont largué. Donc bon. Ce serait bien que les commentaires reglissent sur la droite comme ils sont arrivés sur l'écran. J'en parlerai à la personne qui nous a fait ça. Trop sommeil, merci. Ah oui, mais c'est vrai qu'il fait nuit chez toi, Malia. Bon courage, bon courage. Bonne nuit à toi. Ah, mais ça fait plaisir, Régine, ça fait plaisir. On essaye de se retrouver pour les lives, mais là, je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver pour un prochain, je vous le dis. Parce que... Bah, il n'y a pas tant de vol que ça. Aspect sous l'anneau. Peut-être le... Franchement, même le 25, je sais pas pour Crew 7, honnêtement. Je sais pas du tout.
Donc on vous tient au courant évidemment. Mettez la cloche. Abonnez-vous, c'est gratuit, je le rappelle, à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les dernières sorties de vidéos et de live, surtout les lives où on est plus actif en ce moment, parce que les vidéos on en prépare, mais ça prend plus de temps et il faut des idées, il faut se renouveler sur YouTube, c'est pas toujours évident. Et pour les lives, de toute façon, vous serez tenu informé par ce biais-là, donc ne vous en faites pas, vous mettez la cloche et vous, dès qu'il y a un événement qui est posté, bah, vous êtes informé en premier. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Sur le LinkedIn, il y a aussi les événements, le Discord, bien sûr, point d'exclamation Discord dans le chat si ça vous intéresse. Et puis les autres réseaux sociaux qui paraissent aussi dans la description et via les commandes, point d'exclamation Twitter, Instagram, Facebook, Discord, TikTok, LinkedIn. Et le Nightbot qui vous les suggère aussi par son petit message envoyé. Elle serait diffusée de Luna 25 ce week-end, je différerai de Luna 25 peut-être. Peut-être, pourquoi pas, ou à voir. À voir, mais on va en parler, je pense, demain sur les réseaux. Ça sert peut-être pas grand-chose de faire un live différé. Je sais pas. Je sais pas, à voir. Et puis ce week-end, je vais être pris aussi. Donc ça va être très très compliqué. On n'a pas d'autres nouvelles sur l'avion, Vincent. Il est toujours la même. Il stagne. Il descend gentiment. Là, mais très doucement. Il est à 34 675 pieds là. Ah ouais, non, il descend super doucement. Après, je sais pas, peut-être qu'ils en profitent pour faire des tests sur l'avion. Mais c'est fou, chez NSF on voit tout. J'ai l'impression qu'ils ont posté un drone pas loin de la piste. Je sais pas s'ils ont le droit d'ailleurs. Ou est-ce comment ils ont récupéré ce flux là, ça je me demande bien. NSF, je veux pas dire, mais vu ce qu'ils demandent pour avoir les droits des cams. Ouais. À mon avis, les gars, ils doivent avoir des envoyés spéciaux sur place. Ah bah ils ont coupé aussi. Ils ont coupé aussi. Ils doivent avoir des trucs avec avec les entreprises, hein. C'est obligatoire. Je vois pas comment ils arrivent à avoir des images comme ça autrement. Donc bah voilà, bah je pense qu'on va passer cette soirée. Il y a ce beau fond violet qui se confond avec notre DA. C'est pas beau ça. C'est vraiment sympa en tout cas. Bah merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vais peut-être revenir quand même sur le petit fond de départ. Hein, quand même, attendez. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Comme je disais, n'hésitez pas à nous suivre partout pour retrouver nos actualités. Les actualités spatiales aussi, très très important. Merci à toi Vincent de m'avoir accompagné sur ce live. Voilà, tu reprends aussi du poil de la bête ces derniers temps. Et puis bah merci à vous de nous avoir suivis, c'était cool, franchement c'était cool. J'espère qu'on va se retrouver au plus vite. On fait de notre mieux, mais ça dépend pas que de nous, vous le savez. Mais voilà, on peut évidemment discuter sur Discord, sur les réseaux, on est ouvert à toutes les discussions, nous à tous les échanges, donc vous inquiétez pas, on est absolument pas réfractaire sur ça, et au contraire c'est ce qui nous plaît le plus. Merci à vous de nous avoir suivis, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, bon courage à ceux qui travaillent. Et puis bonnes vacances à ceux qui se reposent, le week-end approche, merci à vous, et puis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao.